Allez, Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait des courses. J'avais pas ma carte de fidélité. Quoi? Tu oses venir te planquer ici? Ce matin, j'ai changé de pantalon. Oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Bon, oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche le poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau? À mon avis, on va le choper très vite. Oui, on peut être très loin. Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis. Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui. Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek. Oui, Joey. Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il s'est parlé lozérien? Non, c'était fac de sciences. Ah, grave. J'ai cueilli les fleurs et je sifflais tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop, et ça connaît même pas les paroles des chansons.